je dis que tout le monde t'appelait. Happy birthday to you, papa, papa, je te t'appelais. Happy birthday to you, et la même plus ça se fait de papa. Happy birthday to you, oh la la, oh la la, oh la la. Elle est plus pour elle, tout le monde tape les mains. Happy birthday to you. Salut, salut, salut. Happy birthday to you. Maman Rosa, dis merci à Dieu, Dieu t'a donné un mari merveilleux. Tu es une femme merveilleuse. Je dis que tout le monde tape les mains. Everybody, 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 up and merci à vous de choisir le bagne red club, la croix du bonheur, dit que pas de joie, pas de sang, un monstre de platine. Chante pour toi, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. C'est comme ça, ça se passe à tous les événements. Anniversaire, les baptêmes, les mariages. DJ Pato est là pour vous chanter. Tout le monde dit que ta paix. Every day, tout le monde dit ta paix. Yeah. Maman Christelle, tout le monde dit que t'appelles même pour maman Christelle. DJ Pato va chanter pour vous. Sabina, maman Sabina. Est-ce que maman Chacha est là? La tête active. C'est comme ça, ça se passe tous les week-ends ici au Palio Night Club. Le Palio Night Club a appelé la grotte du Poitain. Que le bandit dit que t'appelle la cache, vous aimez Pariola. Papa Rodrigo Rodriguez, Papa Rodrigo Rodriguez, voyez Papa Rodrigo Rodriguez, t'appelle la cache. Que le bandit dit que t'ôte la vanne. Elle aussi, elle a des plus, elle s'appelle Christelle. Côté naturel, lève-vous pour ma Christelle, lève-toi. Côté naturel, c'est pas normal. Attirez un peu les panneaux. Attirez un peu la démarche. Pour ma Christelle, viens me voir. Viens me voir, elle a de plus. Tout le monde me chante. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Elle s'appelle maman Christelle. Beauté naturelle, attirée pour le déguisement. C'est pas normal, c'est pas du jeu. Tout le monde dit que t'as fait la même pour maman Christelle. Dominant malade, finement malade, zoté. Dominant malade, finement malade, zoté. Prestation d'artiste, j'appelle la maman Chacha. Comme d'habitude, la maison se fait plaisir. Elle s'appelle Chacha, tout le monde la connaît. La star montante. Tout le monde est venu chanter. Guantanamera, maman Chacha. Guarina, Guantanamera. Tout le monde est venu chanter là-bas. Guantanamera. Merci. Merci à toi, DJ Pato. Merci à tout le monde qui sont là ce soir.
Merci toute la famille, merci la communauté africaine. Et joyeux anniversaire pour mes deux dames qui sont là, Marie Galos et mon père. Fais-moi plaisir. J'aimerais dire bonsoir et tous mes respects à cette communauté qu'on appelle la communauté camerounaise. Bonsoir à vous. Parce que je sais que vous êtes déplacés massivement. Il n'y a que beaucoup de Camerounais ici aujourd'hui. Je ne vois pas mes frères. Ils sont où les Ivoiriens? Est-ce que vous trouvez normal que ça soit vous seulement contre ça? On dit la maman du couteau de Cali, elle est là. Et c'est les Ivoiriens. Non, sérieusement. Non, non, ma fille, attends doucement. Est-ce que c'est normal que ça soit toi seul avec une, deux, trois, quatre? Cinq personnes, vous n'êtes pas beaucoup. Je dis. Attendez. Je suis découragé. On dit la maman est là. Et il n'y a que mes frères là seulement, vous seulement qui êtes là. Les Ivoiriens là, vous êtes où? Les
les Ivoiriens, vous êtes où? Vous allez faire moi, il y a déménagé au Cameroun. Ensemble parce qu'on a quitté la Côte d'Ivoire. Je vais partir avec vous, c'est mieux. Attendez, j'enlève mes lunettes d'avant. Pour votre respect. Non, mon bébé, c'est pas grave, je sais, mais quand même de toi à moi. Non, c'est normal parce qu'elle est là. Mais il faut que je fuisse un peu avant de dire à mes frères ivoiriens que normalement, ici, devait être que quand même. Ma soeur. J'ai raison, non? Ma soeur, vraiment, il y a une foutaise. Je suis d'accord, mais ça te fait mal, mais c'est la vérité. C'est toujours la première dans le coup, c'est décalé. Qui connaît le marchand? Ah! Hey! Ça peut changer la vie! C'est quoi les bagues? Appelez, appelez!
Yeah.
France en Afrique. Est-ce que ça va? Est-ce que la terre n'a pas tremblé? Yazi, comme les Ivoiriens. Come on.
pas fait. Elle a fini de tuer. Elle a fini de varier. Est-ce qu'on continue? Ou bien est-ce qu'on s'en va? Pardon? On passe encore. Tu veux quel morceau? C'est parti, je sais pas où. Encore oh, ils ont dansé. Mais qui a dit à danser? Parce qu'elle danse tout seul. Hey. Qui a dit? Hey! 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 H
qu'il fait. Beaucoup pour la musique ivoirienne. Que Dieu vous bénisse. On est là pour ton poisson avec Marie-Bella. Mes amis, t'as déjà dansé avec moi. Claire Bailly, après ce show époustouflant, nous ne pouvons que vous féliciter. Et dites, Claire Bailly, c'est la première fois que vous arrivez à Zurich? À Zurich, c'est la première fois. Mais auparavant, vous étiez déjà en Suisse? En Suisse, oui, à Genève. À Genève. Oui, déjà, je... Quel est votre lieu de résidence actuel? Mon lieu de résidence actuel, c'est que je suis en ce moment basée sur Abidjan parce que j'ai un concert que je suis en train de préparer. Ça va se dérouler le 30 août au Palais de la Culture à la 4000 places. Donc du coup, Claire Bailly qui était de l'autre côté à Nice, oui. C'est en ce moment plus à Abidjan. Okay. Juste après le concert, Claire Bailly va revenir à Berkaï. Okay, donc le lieu de résidence, c'est Abidjan. Abidjan. Okay. Et Claire Bailly, quelle est la situation actuelle de la musique ivoirienne? Du coup, décalé dans lequel vous...
Ben, le coupé décalé, une musique vraiment qui est adaptée par tout le monde. Ouais. Et trichée par tout le monde, on va dire, parce que le coupé décalé se retrouve dans la musique nigérienne, camerounaise, on va dire partout. Et aujourd'hui, le coupé décalé, on va dire, c'est assez dommage parce que je sais que sur les réseaux sociaux, les gens s'en rendent compte parce qu'il y a beaucoup de palabres et tout. Et le coupé décalé n'est ni en baisse, ni en hauteur, parce que normalement, là où le coupé décalé devait être, il n'est pas là. Mais je pense qu'on va s'y mettre au travail et tout et tout. Et surtout, les garçons, les hommes, je pense qu'ils vont comprendre quelque chose pour qu'ils sachent que c'est la musique ivoirienne qui gagne. Et que le coupé décalé, c'est une industrie musicale que tout le monde aujourd'hui triche. Il faut qu'on respecte ce coupé décalé-là. Moi, Claire Baye, en tant que la première dame du coupé décalé, je sais que le coupé décalé ira loin. Donc, la situation est que le coupé décalé est là, est stagné. Et j'aimerais que le coupé décalé monte plus haut que ça. En tant qu'artiste, de par votre expression, je peux comprendre déjà que vous êtes intellectuel. Alors, vous venez d'un pays phare en Afrique de l'Ouest, un pays voilà, qui est le porte-drapeau des pays, des États de l'Ouest africain. Mais quelle est la situation politique actuelle de ce pays? Oh, vous savez, moi, en tant qu'artiste qui est aimé par tout le monde, par n'importe quel genre politique, c'est-à-dire de tous les côtés, gauche-droite, moi, je ne m'aime pas trop me mener. Ce que moi, je peux dire concernant ces politiciens, c'est qu'ils comprennent, qu'ils fassent attention au peuple, qu'ils écoutent beaucoup la population. Parce que se mêler de la politique, pour un artiste comme moi, franchement, je pense que je suis vraiment mal placé pour dire telle a raison, telle n'a pas raison. Mais la situation politique aujourd'hui, je pense que nos dirigeants doivent se mettre ensemble et vraiment penser à la paix, penser au peuple. Ils ne doivent pas penser à eux, ils doivent penser à nous d'abord. Parce que si on n'est pas en paix, si on n'est pas bien, ils vont gouverner qui. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment une réelle paix, une réelle réconciliation dans mon pays. Parce que Côte d'Ivoire est un beau pays. Il ne faudrait pas qu'on la gâche pour une seule politique. Considérant la vague du coupé décalé, quelle est l'image de Claire Baye en Europe, par exemple, quand vous traversez de Paris en Italie et autres? Comment vous êtes accueilli par les fans? Par les fans ici, je trouve assez dommage parce que, ça je le dis aujourd'hui devant une caméra, je pense que les Ivoiriens ici à l'Hexagone ne soutiennent pas beaucoup les artistes ivoiriens. Et c'est triste de le dire. Quand mon jeu Claire Baye est calé dans les spectacles, dans les boîtes afro, c'est plus les Camerounais, les Sénégalais et tout qui viennent. Et je ne vois vraiment pas mes frères. Bon, je ne sais pas. Soit ils ne m'aiment pas, soit ils n'aiment pas nous soutenir. Je n'en sais rien. Mais je sais que même quand les Kérosènes et les consorts viennent, c'est plus les Camerounais qu'on voit. Les Ivoiriens, que je suis vraiment. Je ne vois pas assez d'Ivoiriens. Il n'y a que quelques-uns qui viennent. Et moi personnellement, franchement, je ne sais pas. Quel est ce message que vous voulez? Moi, le message que je peux porter, c'est de soutenir les artistes ivoiriens que nous sommes. C'est de soutenir les artistes. Quand on traverse les frontières, venir ici, c'est pour prendre le drapeau ivoirien. C'est pour que la musique ivoirienne prenne le dessus aussi. Mais si on ne peut pas se soutenir, et que les salles de Bataclan, par exemple, quand Arafat fait un concert, que c'est vide, c'est la musique ivoirienne qui est en train de tuer, et que les Sénégalais font le plein, les Maliens font le plein, que la Côte d'Ivoire ne fait pas le plein, pourtant c'est la Côte d'Ivoire qui est la plaque tournante de la musique africaine, on va dire en général, ou même du monde, je dirais, parce que même quand les Français quittent ici, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont faire le plein. Et malheureusement, si on ne se soutient pas entre nous-mêmes, c'est assez dommage. Donc je porte ce message pour que soutenir vos artistes. Claire Baye est encore jeune, fraîche, elle dégage sur scène. Et vous, combien d'années, il vous reste encore combien d'années de carrière musicale? Ça fait déjà 10 ans, je suis un peu décalé. Je vais fêter mes 10 ans là. Pour exprimer ma gratitude à mes fans qui sont restés avec moi pendant ces 10 années. Voilà, avec un concert. Et là, votre avenir? Mon avenir, c'est que j'aimerais pas parler des avenirs, de l'avenir, les projets, ça se fait en secret. Alors, vous avez déjà combien d'albums sur le marché? J'ai déjà fait 2 albums. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a tellement de pirates. Et j'ai fait plus de singles que d'albums. Donc, à mon effectif, depuis 10 ans de carrière, j'ai fait sortir que 2 albums. Et voilà. Ça ne paye pas, c'est une longue histoire avec les pirates en Côte d'Ivoire, c'est pas difficile. D'accord, mais avant de rentrer à Abidjan, vous êtes encore en Europe, quelles sont les villes que vous avez encore? Aujourd'hui, quand je pars, je passe sur Paris, après j'ai un spectacle sur Paris. Après Paris, je crois que je reviens sur Genève. Après Genève, le 14, je suis du côté de Le Mans. Après Le Mans, je serai en Italie. Voilà, après l'Italie, je serai en Allemagne. Après l'Allemagne, je rentre en Côte d'Ivoire. Alors cette fois-ci, les Ivoiriens qui verront la vidéo vont se déplacer, c'est ça? J'espère, parce que vraiment, on a besoin. Alors, si vous deviez revenir ici à Zurich,
comment c'est, ce serait avec Je plaisir. Pense que pour ceux qui étaient là aujourd'hui, ils vont dire qu'à la prochaine fois, Claire, il va venir. Déplacez-vous parce qu'elle a vraiment fait trembler ce beau monde qui était là, ce monde de qualité, ce monde que je respecte qui était là aujourd'hui. J'ai fait le show comme s'il y avait 5000 personnes. Donc je pense que la prochaine fois, ça serait du palais. Et j'espère que les Ivoiriens, on s'aime et j'aimerais que vous vous déplacez aussi pour les artistes Ivoiriens que nous sommes. Nous avons été heureux. C'est d'être bon. Avec Claire Bailly, c'est la bon. Dégameuse, c'est ça, non c'est voilà. Ça. Alors, donc, c'était Banao Nombo depuis Zirik Barrio pour Communication Wanji. Oh, Banao. Banao Wanji, mon nom. Banao, merci à vous, merci à Banao Wanji depuis Zurich. Merci beaucoup. À bientôt, Claire, merci. Et bonne chance pour votre carrière. Bonjour. 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 Je vais vous présenter aux youtubeurs, s'il vous plaît. Voilà, j'ai dit bonjour à la public. Moi, je suis Jaja. Donc, vous êtes Jaja. Jaja. Donc, la nouvelle promotrice des spectacles zurichois. Voilà, zurichois, un artiste pour le moment qui chauffe. Donc c'est Jaja. Allons calmement. Alors, Jeannette, vous êtes artiste, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes à votre premier morceau, n'est-ce pas? Oui. De quoi parle ce morceau-là? Le morceau parle de ce que la vie nous présente. Il ne faut jamais décourager et il faut respecter les gens qui sont autour de vous, voilà. Votre maman, votre papa, tout le monde, prendre tout le monde comme vous êtes. Mais ce morceau-là est en anglais, n'est-ce pas? Oui, c'est et l'anglais. Le titre, c'est Chop My Money. Alors, est le rapport entre Chop My Money et le respect des parents? Bien sûr, merci beaucoup. Chop My Money, ça se dit, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de l'argent, ça dit seulement que là, un peu que tu en as, oui. Il faut manger avec les gens que tu aimes. Même si tu n'aimes pas les personnes, manger parce que ça porte toujours le bonheur. C'est pourquoi que la chanson se dit le titre « Chop My Money ». Alors, Jeannette, depuis un certain moment, vous êtes devenue propriétaire. Vous êtes en sous-location d'un fameux bar à Zurich nommé Barrio, n'est-ce pas? Oui. Et par-dessus ça, vous faites la promotion des articles, des artistes africains. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive cela? Bon, c'est une longue histoire que nous sommes déjà passés. Quand même, je vis en Suisse. Il y a pour le moment, il n'y avait pas quand même quelque chose. Et puis, moi, personnellement, quand vous me voyez, j'aime l'ambiance. J'aime tout ce qui bouge. J'aime quand les visages des gens brillent. Et c'est mon message que je veux transférer aux gens. En tant que créature du bar, le club Barrio, c'est pour qu'on puisse partager notre joie et être ensemble, l'Afrique, même l'Européen, ensemble. Je rappelle aux youtubeurs que Jeannette est anglophone. Alors, Jeannette, dites, vous aviez il y a peu de temps, vous avez fait venir ici à Zurich un artiste camerounais, n'est-ce pas? Oui. Quel est le nom de cette personne? Bon, la première artiste qui était là, c'était Jo Polo. Elle a fait un show grave. Et aujourd'hui, c'est Claire Bailly. Et aujourd'hui, c'est Claire Bailly. Et ce serait qui demain? N'oubliez pas encore, ce sera le 3 août. Coco Argentin, ça va donc le 3 août, oui. À Barrio 5, oui. On ne manquerait pas. Alors, donc, par rapport à ça, quel est l'appel que vous lancez aux Africains? Bon, l'amour, c'est plus fort que tout. Oui. Venons-nous avec notre idée, parce qu'avec l'amour, on peut tout partager. Oui. Avec l'amour, là, on va partir loin. Dieu. Okay. Soit avec nous. Alors, c'est donc c'est une invitation vraiment à toutes les communautés africaines. Communautés africaines. Alors, vous avez fait venir Claire Bailly aujourd'hui à Zurich. Et qu'est-ce que vous pensez d'elle comme artiste? Bon, pour moi, j'ai dit qu'il n'y a pas un tribalisme contre Côte d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, Guinée, quoi. Afrique, c'est toujours africaine. On est tout. Bon, chaque mois, il y aura toujours un artiste qui va passer, même si ça soit papa, les Africaines, sortez-vous massivement parce que c'est entre nous, l'amour qui est fort. C'est parole de Jeannette Treche qui est vraiment la promotrice avec notre compatriote Freddy Nadier de Barrio
et Nine Club de Zurich. Alors, chers compatriotes, chers amis, chères communautés zurichoises, vous êtes invités à tout ce que ce duo-là va présenter ici à Zurich. Merci. Bon, j'aimerais aussi, sans oublier que je viens aussi de Cameroun, d'un côté anglophone. Voilà. Even if I speak in English, I just want to tell my brother and sister, we are together, no matter which language I speak, I do love you all. Please stay connected. Barrier 5 is open. Yeah. Every Friday and Saturday, Jaja in the house, one love. So said Janet. To all our people here in Israel. Thank you and see you next. Mr. Wanji. Mr. Wanji. Okay. Thank you. Ça marche. La mère avait du côté de Côte d'Ivoire, tout son petit. Son petit du